Wow! Oh shit, here we go again. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, 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 ici Fouals, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent lundi, et puis qui dit le lundi dit bien évidemment le Nuzlocke. Et le Nuzlocke, on est sur la fin, on est sur la fin, mais on est surtout sur, on est certes sur la fin, mais on est presque au début du post-game, c'est dire, en sachant que cette version de Pokémon, pour moi, c'est la plus complète, dans le sens où on a un post-game qui est quand même assez conséquent, qui est assez énorme, puisqu'il quand même il comprend Kanto et Kanto la première génération. Alors rappelons un petit peu le contexte, parce que là d'un coup je regarde sur les sprites, et oui, on a perdu par négligence, nous avons perdu notre patoche patte, et évidemment par ma faute, j'avoue, face à un racaillou destruction. Donc voilà, je remets du coup les sprites bien comme il faut. Et voilà, ni vu ni connu. Et donc nous entamons ce périple maintenant qu'est la route victoire. Et on va enchaîner par la Ligue Pokémon, ça y est, nous y voici, nous y voilà, c'est vraiment la dernière ligne droite. Ça va passer ou ça va casser? Est-ce qu'on va terminer le Nuzlocke ce soir? Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'on va pouvoir entamer le post-game? Je n'en sais trop rien, malheureusement. Mais d'un côté, heureusement aussi, hein, heureusement qu'on ne sait pas grand-chose. Sinon, on n'aurait pas... On n'aurait pas toutes ces surprises, on n'aurait pas tout ce suspense à porter demain. Allez, sans plus tarder, je vous propose de passer dans le vif du sujet. Et on va lancer le jeu. J'oubliais aussi de préciser. Nous sommes septembre, c'est le September. Vous avez la commande point d'exclamation September qui vous attend. Tac, je vous la fais comme ça, je vous l'envoie. Clac, le September. Et vous avez un lien pour les sub goals. J'ai mis un petit sub goal coton tige. D'ailleurs, je vais vous le montrer, comme ça au moins ce sera
Ce sera fait avec la belle musique. Papala, papala, tantatala. Ah ben j'ai oublié d'en rajouter. Hop là, voilà. La petite animation. Alors, le sub-goal que je vous ai réservé pour cette année de September, attention, c'est costaud, hein. C'est costaud, il y a du lourd. Il y a du lourd. Voilà, voilà. Le September de cette année à partir de 20 subs. Donc là, nous sommes déjà à 12 subs. À partir de 20 subs, ce sera un live karaoké en Sébastien Foilstoche, hein, Sébastien Patoche. 30 subs, on relance Dark Souls et cette fois-ci, on le termine. Attention, pas de scam. 40 subs, c'est leur foile, se prend le contrôle des lives pendant une semaine. 50 subs, on tente un live Elden Ring, les yeux bandés. Un seul live, hein, bien évidemment. Voilà, mais bon quand même, il faut oser. Faut oser. 60 subs, on lance des lives lecture pendant un mois. Donc, une fois par semaine, on a un live lecture. Et on commencera par le temps des tempêtes. petit pied de nez. 70 subs, on se lance dans League of Legends. Est-ce qu'on va tenir? J'en sais rien. Et alors là, 100 subs, vraiment le haut du panier, c'est je me rase la barbe et la moustache. Donc voilà, là vraiment j'aimerais éviter hein, d'arriver à 100 subs. Ça serait cool. Ça serait cool de pas arriver à 100 subs. Vraiment, clairement. Ça serait vraiment cool de pas y arriver. Mais bon, si on y arrive, bon, on y arrive, quoi. Voilà, hein, mais bon, voilà. Voilà un petit peu les sub-goals. Donc, vous avez tout devant vos yeux. Devant vos yeux ébahis. Et on va récapituler un petit peu notre équipe avec Saucisso, Fionnette, Kay le Pénus, Jacques Miche et René Foy. Oh, c'est vrai qu'on n'avait pas mis le sprite de Jacques Miche. Et on n'avait pas mis le sprite de René Foy non plus. Et coucou Ceci, comment ça va? On a perdu quelqu'un là. On avait perdu quelqu'un. Est-ce que vous avez vu les... Il y a de l'orage. Ah merde. Wesh le Dante, wesh la Ceci. Est-ce que vous avez vu le sub-goal du September? Est-ce que vous avez vu les sub-goals du September? Est-ce que j'ai besoin de les remettre? Je vais aller me cacher. Ah merde, bon, non, mais avant de te cacher, regarde les sub-goals du September 2022. Attention. Ça va être énorme. Attendez, est-ce que j'ai la musique encore? Est-ce que j'ai la musique qui va bien? Non, j'ai plus la musique, merde. Oh, j'ai plus la musique. Je vais la chercher. Je vais remettre. Normalement, je dois l'avoir ici. Merde, pourquoi je l'ai supprimé? Bon, c'est pas grave, je mets pas la musique. En fait, j'ai fait l'annonce pour le projet, vous avez tout loupé. Bah merde! Ouais, mais. T'as dû nous prévenir qu'on serait venu. Oh! Attention, les yeux, ça va piquer. Bon, là, c'est pas très épique comme musique. On va faire avec. J'ai pas eu les notifs, t'as une rediff qui traîne. J'avoue. Alors, attention les yeux pour le September 2022. Voici les sub-goals. Donc, je récapitule. 20 subs, on lance un live karaoké en Sébastien Patoche. En sachant que nous sommes à 12. Hein. Nous sommes à 12 subs. J'ai oublié de mettre le petit bandeau. Je le mettrai demain, promis.
30 subs, on relance Dark Souls 3 et on le termine cette fois-ci. Pas de scam. Pas de scam. On le termine. Voilà, c'est dit. 40 subs, c'est leur foil, ce qui prendra le contrôle de la chaîne pendant une semaine. À 50 subs, on tente un live Elden Ring les yeux bandés. Donc c'est-à-dire qu'on fait une nouvelle partie, on crée une nouvelle partie. Et on fera un live. Donc ça, ce sera plutôt un live le week-end pour qu'on ait un peu plus de temps et non pas 1h30 ou 2h30. Là, voilà, on va genre à 14h, de 14h jusqu'à 17h, un truc comme ça, un truc assez costaud. Voire même un peu plus tôt, même genre 12-13h. 12h, 13h jusqu'à 17h. Voilà, quelque chose d'assez conséquent. 60 subs, on lance des live lecture pendant un mois. Donc une fois par semaine, on va se faire des live lecture. Et on commence par le temps des tempêtes. Ah, 70 subs, je me lance dans League of Legends. Est-ce que je vais tenir, j'en sais rien, mais bon, voilà. Et à 100 subs, le palier que je n'aimerais absolument pas atteindre, bien évidemment, les 100 subs, je me rase la barbe et la moustache. Ça, clairement, je ne veux pas me la raser. Hein. Clairement, je ne veux pas me raser la barbe et la moustache. C'est pas le Dark Souls des livres. Si, si, tout à fait. Le temps des tempêtes, ouais, c'est le Dark Souls des livres. Oh non, pas ce jeu de la mort. Bon, attends, on n'y est pas encore, hein, on n'y est pas encore. On est, pour l'instant, on se rapproche du live karaoké. Pour l'instant, on est à 12. Je rappelle, nous sommes à 12 subs actuellement. Donc là, on se rapproche du live karaoké en Sébastien Foilstoche. Vous avez de toute façon le point d'exclamation à September. Y a pas un simple pour lâcher 100 subs direct. Non, surtout pas. Tu te rases en live, bien sûr. Bien sûr que je me raserai en live. Mais c'est niette, surtout pas quoi. Il va lâcher du sel en lisant le livre, j'avoue. Est-ce que c'est une zone? Je crois pas, hein. Si. On l'a pas fait cette zone. Ah bah, je crois que c'est une zone. Bon bah, let's go, le tentacruel. Let's go, le tentacruel, Pokémon de zone. Ah ouais, non, mais là, je vais lâcher du sel. Je vais lâcher du bon gros sel, quoi. Et surtout, ce temps des tempêtes, s'il te plaît. Alors là, c'est vraiment le masterclass, la masterclass, quoi. Vraiment, là... Bon, tentacruel, quoi, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, tentacruel. Déjà avec LOL, tu vas finir en HP. Ah non, mais je vais finir en PLS avec LOL. C'est pour ça que je l'ai mis assez haut, c'est pour ça que j'ai mis à 70. Parce qu'au moins, je sais qu'on n'y arrivera pas. Mais alors, à 100 subs, non, 100 subs, j'ai vraiment... Honnêtement, j'ai vraiment pas envie d'y arriver. Non, je veux pas me raser la barbe et la moustache. Clairement. On va l'appeler Subtember. Subtember. Voilà. Subtember. J'aurais pas mis du tout. Bon, moi je le mets histoire de. J'ai mis histoire de rigoler un peu. Histoire de rire, tu vois, voilà, c'est le petit gag. T'as choisi entre faire Elden Ring et LOL, je prends Elden Ring. Ah, clippé, le chat est apparu. Regardez. Ceci a dit, elle prend Elden Ring. Oh, alors là, Ceci a dit qu'elle faisait Elden Ring. Oh, incroyable. Hey, tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de faire ton premier pas à Kanto. Regarde la carte de ton Pokématos. Oh, incroyable, on est à Kanto. Ah, c'est fait. Ah, merci Dante. Oh, on est à Kanto. Oh, c'est trop beau. Nous y sommes, chute Tojo. Le lien entre Kanto et Johto, quoi. Et voilà. Les chutes Tojo.
Eh oui, allez Jacques Miche. Oui. Bam, 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 bam. Oh, c'est le Pokémon des chutes Tojo. Oh, ça va. Ma phrase a été sortie de son contexte. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Elle n'a pas été sortie de son contexte, ça, ta phrase. Hein. Elle a été... Non, on aurait pu, putain. Mais non. Putain, je ne veux pas un poisson roi. Ça aurait été cool. Ça aurait été rigolo, mais bon. Oh, merde, mon Pokémon de zone, putain. Bonjour! C'est rare de voir quelqu'un ici! Tu t'entraînes tout seul? Bah, en fait, je viens d'arriver. C'est le choix entre la peste et le choléra. Ah non, 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 mais c'est trop tard, c'est trop tard. Cécile a dit. Cécile a dit. On n'a pas de Pokémon. Là c'est chaud là, là c'est pas mal, là on est pas mal. J'ai tenté le dynamo point. Ouais nickel, c'est bon, la confus. C'est passé. Allez, sa folie lui inflige des dégâts, oui. Oh, c'est parfait. Petit balayage à histoire 2, histoire de le terminer. Parfait, Cécile donc va donc faire Elden Ring, ça c'est bien. Air bizarre, putain, non mais sans déconner, non mais là les Pokémon de. Ah les Pokémon de l'enfer du cul. Allez Dynamo Point, est-ce qu'il va passer? Putain, ça passera pas! Ah, le coup critique. Et bonsoir Camille, comment ça va? Je me rappelais plus de cette dresseuse là, putain, sans déconner, Pokémon plante quoi. Non, c'est bon. Point de karaté s'il te plaît. Ça... Qui a raté quelque chose, Cécile a annoncé qu'elle allait faire Elden Ring. Claqué à ma première journée de taf. Ah merde, comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment s'est passée cette rentrée? Pauvre petit. Oh. Ben, je sais que c'est pas très efficace, mais putain, mais comment tu veux que je fasse là? J'ai pas de Pokémon qui sont à peu près... à peu près viable quoi, putain j'ai pas de Pokémon à peu près viable. Putain, le jeu qui te troll la gueule, hein, non t'es pas trop efficace connard. Oh, pas de crit. Oh, allez putain le axe. Putain. Bon, on va prendre Kyle Pénus. Voilà, on n'a pas le choix. Putain, c'est le seul, on va dire, haut niveau. Tu es haut niveau, j'ai que des Pokémon haut dans mon équipe, quoi. Ça sent le rip. Ah non. Ah non. Hein. Tu sais que je suis con, putain, j'avais point de glace. Mais quel mongol foils, putain. C'est vrai, j'ai point de glace, quoi. Ah, oh, putain, mais je suis vraiment je suis vraiment un zgeg, hein. Oh là 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 là, c'est vrai que j'aurais dû lead avec Kyle Pénus. Au moins ça aurait été vite réglé quoi. Allez Florizarre, voilà, nous fait la... Oui, merci. Merci Dante de rappeler que je suis un sgeg. Voilà, un point de glace et c'était réglé quoi, putain. Putain, je suis vraiment le roi des cons hein. Donc non, ça sent pas le rip.
Bah ça alors, bah ouais, bah ça alors, exactement, ouais, ça alors. Ah, qu'est-ce qu'elle veut, maman? J'ai fait karmater. J'ai trouvé un bel objet à acheter. Alors, j'ai dépensé tes sous, désolé, c'est dans ton PC, ça te plaire. Non, je me suis pas fait karmater, arrêtez. Arrêtez de dire ça. C'est pas vrai. Nanana, nanana, on va voir. Soit à la hauteur, autant payer, ça va de plus en plus difficile. La confiance, c'est le lien entre tes Pokémon. Entre le lien et les Pokémon. Mais putain! Mais la vieille, tu veux pas me le soigner, mes Pokémon, espèce de connasse? Putain. Elle va pas sortir ma phrase de son contexte. Mais j'ai pas sorti de son contexte. C'est vrai, tu as dit, tu veux pas décevoir les gens quand même. Tu veux pas décevoir ta fidèle communauté. Ah si si. Ah donc tu veux décevoir ta fidèle communauté. Oh, vous avez vu? Oh. On veut tous voir Ceci sur Elden Ring. Et ben oui, on veut tous la voir sur Elden Ring. Non seulement tu l'as dit, mais en plus il y a un clip à la pluie. Exactement. Aïe 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 aïe. Ceci qui scam. Hein. Attention toi. Oh putain, c'est le Pokémon de zone. Oh mais putain! Mais putain, mais pourquoi je me tape des tentacules de cul là? Ah ben non, j'ai le Pokémon de zone déjà. Ah non, j'ai le Pokémon de zone, donc c'est bon. Toi, tu m'as l'air bien fort. Combat! Allez, Félix, top dresseur. Mais c'est pas vrai, mais sans déconner, mais c'est quoi ce axe? Mais putain, mais putain! Oh non, mais sans déconner, mais putain! Mais c'est quoi ça? Putain, c'est quoi ces dresseurs là? Mais saucisson! Putain! Saucisson, tu vas te prendre une attaque, tu vas te faire one shot! Alors putain, applique-toi! Voilà, saucisseau, adieu. Oh, même pas. J'allais dire, il va rater son attaque, cet abruti là. Putain, ils ont un saucisson, hein, oui. C'est le scam de Foils. Non, c'est même pas le scam de Foils. C'est le scam de Ceci. Parce qu'elle a... elle veut même pas assumer ses propos. Oh. Tu as peu de foi en tes Pokémon. Ouais, non mais ouais. Non mais ouais. Mais il faut que j'ai un peu plus de foi en mes Pokémon. Il me faut un peu plus de foils hein, dans mes Pokémon. Bah, j'aurais bien aimé le geler, mais en plus, c'est pas grave. Hein. La défense spéciale. Je n'ai rien assumé vu que je n'ai rien dit. Ah si, tu l'as dit. Ah non non si si si. Attends. Voilà. Quitte à choisir entre faire Elden Ring et LOL, je prends Elden Ring. Voilà, mot pour mot,
Vous êtes témoin, le chat. Le chat, vous êtes témoin, hein, vous êtes témoin. J'ai même répondu aussi à son message. Comme ça, vous avez le vrai message de Ceci. Voilà. Oui, j'ai dit ça, mais j'ai pas dit que j'allais le faire. Quitte à choisir entre faire Elden Ring et LOL, je prends Elden Ring. Elle a pris Elden Ring. Elle a choisi Elden Ring. Ceci a choisi Elden Ring. Ceci a choisi Elden Ring. Donc Ceci jouera Elden Ring. Ah bah voilà. Hein. C'est dit. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ceci qui va jouer Elden Ring. J'ai hâte. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte. Quand est-ce que tu vas le faire d'ailleurs? Tu vas le faire bientôt là. Ah, attendez. Ah, elle a dit qu'elle le fera. Ah, elle le fera dans un mois. Oh. Donc le 5 octobre, à partir du 5 octobre, Ceci fera Elden Ring. Entre demain et la fin du monde. Non, elle a dit à la fin du mois. T'es fort. Alors combat. Bon, on va se faire tous les dresseurs en fait là. Harry Potter, top dresseur. Oh, Sablero, parfait. Très bien. Très bien ça. Très bien. C'est intéressant, Waltz. Hop là. Je démissionne. Comment ça tu démissionnes? Attends, d'abord comment c'est Elden Ring? J'accepterai ta démission. Donc c'est-à-dire tu es condamné. J'accepterai ta démission seulement à une seule condition, si tu termines Elden Ring. Voilà. Et comme je n'accepte pas ta démission, et comme pour une démission, il faut qu'il y ait un accord. Comme je ne te donne pas mon accord, je donnerai mon accord seulement si tu termines Elden Ring. Ah bah t'es pas prêt de l'avoir alors. Ah, ta démission, exactement. Voilà. Bah voilà, donc si tu veux démissionner, tu es obligé de terminer Elden Ring. Hein. Ça, je suis la boss finale de Temodo, c'est vrai. C'est la modo à la grosse épée. Merci monsieur. Oh, bah de rien. Ouais, mec, je lui mets une rousse, merci monsieur. Oh, bah de rien. Je te mets une grosse tatane et merci. Ne dis rien, je vais lire dans tes pensées. Je sais, tu veux te mesurer à la ligue Pokémon. Parce que Ceci est trop dark, exactement. Elle est dark, comme un certain jeu. Comme un certain jeu qui commence par dark et qui finit par soul. C'est un signe, elle va faire dark soul. Me fatigue. Pourquoi? On va faire Dark Soul. Certainement. Ah, elle a dit certainement. Dark Soul, c'est l'histoire de la jeunesse de Ceci. Elle a dit certainement. Donc elle va le faire. Oh non. À quoi? Oh non. Tu viens de le dire dans le chat. Ah, moi j'invente pas. Hein. T'as dit certainement. Ah, elle commence pas à faire du scam, hein, Ceci. Elle commence pas à nous scammer, hein. Oui, tu oublies un mot. Le chat, est-ce que vous avez vu comme moi? Est-ce que vous avez vu certainement? Est-ce qu'elle a oublié un mot? Enfin, est-ce que j'ai oublié un mot? Non, j'ai pas oublié de mot. Est-ce que j'ai oublié un mot? Soyez sincère. Hein. Soyez sincère et juste. Est-ce que j'ai oublié un mot? Moi, j'ai lu certainement. Merci, Camille.
Voilà, il faut que Dante, la voix de la raison, confirme aussi. Et c'est tout. Je m'engueule. Dante aura le dernier mot, et c'est Dante qui va arbitrer. Ça va être Dante qui va arbitrer tout ça. Et Dante va nous confirmer qu'il n'y avait que certainement. Et qu'il manque pas de mots. Je le savais, tu vois, même lui, il le savait. Non, 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 comment ça, non, non, non. On va se mettre là parce qu'on sait jamais. Ah bah là, il y a un dresseur là. Ah bah oui. J'ai dit certainement. Ah bah t'as dit certainement. Oui, t'as dit certainement. Exactement. Il faut faire attention aux Pokémon sauvages du coin. Arrêtez-vous, monsieur Poil, roi du scam. Comment ça, roi du scam? Tu l'as marqué encore une fois en majuscule. J'ai dit certainement. Donc, c'est certainement que tu feras Dark Souls. Ben voilà, je scamme rien du tout, hein. Je ne fais absolument pas de scam, je m'en vais comme une princesse. Oh, je confirme les confirmations que certainement a bien été écrit sur le chat par Justice. Ah, merci Dante. Donc voilà. Voilà, donc Ceci nous fera le plaisir de faire Elden Ring, mais également du Dark Souls sur sa chaîne. Ah, franchement, c'est Noël avant l'heure. Hein. Mytho. Bah, c'est Noël avant l'heure. Hein. Franchement, bande de scammers. On t'autorise à le faire à la manette. Je vous déteste. Oh! Est-ce que tu feras l'intégralité des Dark Souls comme Doc devait faire à la base? Ah non, lui, je crois qu'il devait faire que le 1. Est-ce que tu vas nous faire l'intégralité des Dark Souls comme a fait Dante? Parce que Doc, je crois qu'il devait faire l'intégralité, non? Je ne me souviens plus, mais il devait faire le 1, ça c'est sûr. Est-ce que tu vas faire l'intégralité comme Dante? Dante, il a fait l'intégralité et je dirais même plus, il a même fait Bloodborne. Et il va faire Sekiro. Oh, pas Glop. Alors là, on est où là? Ouais, on est toujours sur la route 27. Hein. Dante, il est mazo. Ah non, mais Dante, non, Dante, t'es pas mazo. Dante, t'es fort. Parce que, franchement, faut le faire. Ici, Kiki, tu as arrêté de faire du scan. Tiens, je montre mon cul. Ah, c'est Kiki! Tout ça, avec ou sans scam, tu montres ton cul quand même. Donc, il est passé du sub-goal. Je commence par l'un pour entraîner à faire la suite. Je fais sub-goal et on verra si on finit le jeu. J'avoue. Donc, ça a été du scam. Du gros scam. Moi, je suis en pleine forme. Je me sens capable de battre Med de la ligue. Mais on avait perdu notre électrode. Je me rappelle plus. Willfish, c'est Dante, le marquis de Sade, hein, j'avoue. Il est mazo, mais c'est couillu. Il est quoi? Il est haut. Ah merde, il est au poison, merde, je suis con. Je confirme, mais c'est couillu, hein. C'est vraiment couillu de faire ça. Mazo, mais couillu. C'est quand même faux, oser, hein. Poser, se taper à tous les souls.
Faut oser enchaîner avec Bloodborne. Et en sachant, ouais, bientôt Sekiro. Et en sachant aussi qu'on inclut les DLC. Hein. C'est l'aventure principale, mais on inclut aussi les DLC. Le mec, il fait, le mec, il fait tout dans les règles, quoi. Mais dans les règles de l'art, quoi. C'est vraiment de l'art. C'est de l'art et du cochon, hein. Mais d'abord, Alice Madness Return et le 100% boss. Hein. Oh là là. Comme là, il nous a tenté le speedrun de Crash Bandicoot. Normal. Voilà, enfin, speedrun, c'est... je pense que c'est façon de parler, parce que c'est pas tout à fait speedrun. Voilà, hop là, c'est bon, nickel, on l'a gelé, parfait. Voilà. Comme ça, il nous casse pas les couilles avec ses pic-pic ou ses conneries comme ça. Voilà, là au moins... On est tranquille. Comme dit, c'est faire sur le timing de Stormy Ascent, il paraît sérieux. Sérieux, t'es top 10 FR. Stormy Ascent, c'est la dernière map, ça. Tu l'as mis sur speedrun.com ou c'est quoi, c'est sur speedrun.com top 10 FR ou top 10 FR top 10 FR au niveau du jeu. C'est la map optionnelle, ouais. On est toujours sur la route 26. Ah, on est une nouvelle zone, là, c'est la nouvelle zone. Ok. DL la VOD pour que je l'isole. Ouais, isole là, ouais. Isole là. Bah ouais, carrément, on fait la valider, quoi. C'est pas mal, quoi. Un top 10 FR, c'est pas mal. Waouh, regarde-moi tous ces badges. Je suis bluffé. Les collectionneurs ne te suffisent pas, hein. Non, mais là, il y a une belle zone. Je vais après les catégories. Tout ça, ça va sur YouTube. Ouais, enfin, mets là sur YouTube, ouais. 2,40, c'est beau. Ah, je l'ai raté. Je l'ai raté, pourtant je l'ai regardé, hein. Pourtant je regardais le live, mais je crois que j'ai raté. Je me suis tapé tout le live en lurk, quasiment, mais je crois que j'ai loupé ce passage. Oh, on l'a flinch en plus, nickel, allez. Parfait le mentalique. Mentali mentalo, quoi. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, sa mère. Même pas mal. Alors. Oh, un El Bapto. C'est scandaleux. Comment ça, c'est scandaleux, kangourou, quoi. Qu'est-ce qui est scandaleux, quoi. On a un El Bapto. On va mettre saucisseau. Oh, le crotte, c'est mort. Attention, j'arrive. Je me suis pris un Doc Elec dans le cul. Et bonsoir, Doc. Je suis arrivé en retard pour la route de victoire. T'inquiète, on n'a pas encore attaqué la route de victoire. Donc, t'inquiète, c'est absolument pas scandaleux. On n'y est pas encore à la route de victoire. J'ai one shot. J'ai pris le meilleur Pokémon. C'est vrai, type combat. Ça nique les Pokémon normal. Bon, ça fait de l'XP, merde. Oh putain. C'est pas moi qui suis en retard, c'est toi qui es trop à l'heure. Exactement. Exactement, kangourou. Regarde, on est juste là. On est sur cette route. Les Pokémon ont l'air fatigués, tu devrais les soigner. Oh ! Formidable. Les Pokémon ont la patate, courage, merci. Oh, le scam. Yeah ! Oh, oh ! Non, c'est bon. Putain, mais c'est quoi tous ces dresseurs là, sérieux ? Oh ! C'est en remportant des combats difficiles que l'on progresse. Ouais, mais vous me cassez les couilles là. Après j'aurai plus de PV pour la route victoire là. Allez, Gavin.
Oh, dans ta gueule, Ondine. On aurait tellement pu l'avoir. Ok, le Pénus, il va rouler sur la ligue. Mais littéralement. Le champion. Champion, champion, champion. Oh boss, ben non, comme un con, j'ai pas de... J'ai pas de challenger, là. Ouais, je vais faire morsure, là. J'aurais dû mettre Electrode hein, dans la team. J'aurais dû mettre peu mieux fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on l'a perdu peu mieux fait. Je crois pas qu'on l'ait perdu. Oh, Pyroli. Ah Pyroli. Ah. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Pyroli, ça? D'ailleurs, j'ai vu que tu jouais Escape Academy. Malheureusement, je n'ai pas le temps de regarder. J'ai vu que quelques minutes, il est bien. Bonne question, ça. Est-ce qu'il est bien bien? Parce qu'après, les gameplays, c'est vrai que le gameplay a... Difficile de se faire une idée en regardant. Putain, j'ai baillé comme un gouré. Hein. Non mais ça suffit là, putain! Je me prépare pour la ligue Pokémon, putain mais c'est quoi ça? En fait c'est ça la ligue, c'est ça en fait la route victoire! Putain, que des scammers là! Que des scammers au kilomètre carré là! Jacques Mich, t'as quoi? T'as pas une déflagration, un truc comme ça là? Ouais, t'en as un courage. Allez, on va lui faire un point glace. Allez, Jack Todd. Oh, quoi. C'est des stream hackers, je reconnais. Ah non, c'est du gros stream hack hein. Ah ça va le combo griffe tranquille Jean Michemouche là. Voilà, t'as dans sa gueule. J'ai essayé Multiversus au fait et c'est très sympa, tu avais raison. Non, c'est sympa, en fait, il est pas mal, il est cool. Hein, pour un petit moment, il est cool. Est-ce qu'on le refera sur la chaîne? Je suis pas sûr. Peut-être comme ça pour rigoler. Mais non, après, il est cool, hein, il est sympa. Mais voilà, quoi. J'ai perdu face à un type du nom de Castux. Il était fort, mais on aurait dit qu'il combattait pour sa vie. Ça me faisait de la peine pour ses Pokémon. Ah bah, c'est Jean Castux, hein. Et la top dresseur. Oh, galopa. Zougougou et Zigouigoui en cascade. Mais après non, il est sympa, Multiversus, il est sympa, mais il est encore plus sympa quand tu joues avec des amis, tu vois, parce que seul, vous faisait la colite, celui qui je stream n'a plus de PC, alors on se rabat sur des jeux console. Ah bah voilà, en plus, du coup j'ai testé ce jeu. Ah bah voilà, bah du coup toi non, c'est plus agréable, à deux c'est plus agréable. Bonjour, seuls les dresseurs confirmés peuvent passer. Oh les 8 badges de Johto, après vous mon doux seigneur, oh. Bonjour, cette route même nos mots argent, tu y verras des Pokémon affreusement balèzes. Tu
tu vas à la ligue Pokémon, hein. Le conseil des 4 est super, hyper, méga balèze. Tu vas en baver. N'a pas peur. Bon, avant d'utiliser des repousses, voilà, bon, ça c'est le classique. Avant d'utiliser des repousses, on va faire le Pokémon de zone. Ouais, super. Des total soins, des points points, des points points. Oh, un rappel max! Très bien, dans un Nuzlocke. Non, il n'y a pas d'objet, non? Ah, Pokémon de zone! Oh, je veux pas savoir. Un Osperalto. C'est quoi le September? Je vois ça affiché partout. Alors, qu'est-ce que le September? Eh ben, c'est très simple. Je t'invite très fortement à taper point d'exclamation September dans le chat. Tu auras ta réponse. Oh, regarde, il y a même un Pokémon qui s'appelle September. Et voilà, c'est l'occasion pour toi de faire des économies avec moins 20% sur les abonnements de 1 mois, moins 25% sur les abonnements de 3 mois et moins 30% sur les abonnements de 6 mois. Et aussi, j'ai mis un sub goal pour ce mois-ci. Allez, tu m'as convaincu tout de suite. Et attention, j'ai mis un sub goal. Ah oh, putain, mais ma folie lui inflige des dégâts. Putain, mais nique ta race. Allez, saucisseau, tape. Tape dans le lard là. Tape dans le fond, c'est pas ta mère. Pardon. Un dynamo point là. Oh putain. Oh là là, allez. Merci. On pose sur le mécao, on s'en fout. C'est tout ça que. Ah bah oh, que oh, 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 oh putain. Et merci pour ton resub. Du coup ça fait 13 subs. Et merci beaucoup pour ton resub. Et là, tu vois, tu as la super promotion du September qui s'applique. Et ça, c'est cool. J'ai pris 3 mois. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, du coup, tu as moins 25% sur l'abonnement de 3 mois. Tu as eu moins 25%. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal. C'est, on va dire, c'est sur ces moments-là. Où il faut sauter. Il faut sauter sur l'occasion, hein, parce que c'est là une bonne promo. Oh putain! Mais pourquoi ça y était presque? Allez, inflige-toi des dégâts. Merde. J'ai perdu car j'ai fait sur tel. Ah merde, super promotion, tu vends mieux le truc que Twitch. Bah ouais, c'est une super promotion en fait. Hein. C'est une super promo. Hein. Quand vous le prenez chez moi, hein, je m'entends bien évidemment. Hein. Voilà, quand vous prenez le sub chez moi, c'est une super promo, hein. C'est une super promotion. D'ailleurs, là, celui-là, on va l'appeler super promo. Voilà, hop là, on va l'appeler super promo, quoi. Super promo. Voilà, super promo. Chez les autres, c'est une arnaque. Ici, c'est une... Exactement. Chez les autres, c'est du scam. Et bah, chez moi, c'est une bonne affaire. Et en plus de ça, vous contribuez à quelque chose d'extraordinaire. C'est de... Voilà. C'est de contribuer au sub goal.
à 20 subs. On se rapproche, hein. Nous sommes à 13 subs actuellement. À 20 subs, regardez ce qui arrive. 20 subs, un live karaoké en Sébastien Patoche. C'est pas mal. 30 subs, on relance Dark Souls 3 et on le termine cette fois-ci. Pas de scam. Pas, vraiment pas de scam. Hein. Cette fois-ci, on le termine vraiment. Hein. On reprend là où on en était. De toute façon, on reprendra Dark Souls 3 de toute façon. Mais là, on précipite la relance de Dark Souls 3 et cette fois-ci, on le termine. Voilà. À 40 subs, c'est leur fois, elle se prend le contrôle de la chaîne pendant une semaine. À 50 subs, c'est un live Elden Ring, les yeux bandés. Mais un live, hein, c'est-à-dire on fera ça un week-end où on commencera genre à midi, ouais, midi 13h. Voilà, entre midi 1h, histoire de manger, et on le fait jusqu'à 17h. Boum, mais les yeux bandés. Ça, c'est fort de café. Live le temps des tempêtes, même pour toi c'est chiant, j'avoue. C'est le live scam. Hein. C'est vraiment le live scam, mais mort de rire quoi. On lance les live lectures pendant un mois. Donc une fois par semaine, on fera des live lectures. Et le premier live lecture, ce sera le temps des tempêtes. Ce sera tellement chiant. Ce sera rigolo. Là on arrive, tu vois, là, sur ces paliers, on arrive sur les paliers scam. Enfin, sur les paliers scam, sur les paliers de merde que j'aimerais pas atteindre. Voilà, déjà, les live lectures, j'aimerais pas l'avoir. 70 subs, je me lance dans League of Legends. Voilà, là c'est pas du scam, mais j'ai vraiment pas envie d'y arriver. Alors 100 subs, j'ai absolument pas envie qu'on arrive à 100 subs. Et là je me rase la barbe et la moustache en live, bien évidemment. Mais j'ai vraiment pas envie d'arriver là. Déjà le palier de 50 subs, à partir de 50 subs, j'ai vraiment pas envie qu'on arrive à 50 subs. Parce que là, à partir de là, c'est les paliers, c'est vraiment les... C'est vraiment les trucs où, oh putain de merde, j'ai pas envie j'ai pas envie de le faire. Mais on le fera, hein. On le fera, clairement on le fera, mais oh la vache quoi. Oh, l'enfer et la damnation du cul. Hein. Mais on le fera parce que c'est vous. Parce que vous le méritez. Mais du coup c'est dégressif, si on arrive à 100, tu fais tous les précédents. Ah bah oui, je fais tous les précédents, bien évidemment. Tout est comptabilisé. Ah oui, tout est comptabilisé. J'ai oublié de préciser. Merci de me le rappeler. Effectivement, oui. Effectivement, tous les paliers. Donc à 100 subs, on fait le palier de 70, le palier de 60, de 50, de 40, de 30 et de 20, etc., etc. Imagine un Saoudien débarque, il lâche 100 subs, tu seras tout nu. Ben oui. Je serai clairement tout nu. Je serai tout nu, mais oui, par contre, oui, ce sera dégressif, mais on fera tout, oui. On fera tous les paliers. On fera tous les paliers. C'est pas parce qu'on est à 100 subs que on fait... À devoir live lecture, c'est leur poil, c'est yeux bandés sans barbe. Ah non. Ah non. Hein. Ah non, hein, surtout pas. Bah oui, mais je vais me sentir à poil quoi, sans la barbe, sans rien quoi, je vais être à poil. Déjà c'est la fin ? Minute ! Vas-tu relever le défi de la Ligue Pokémon ? Me fais pas rire, t'es un nul, un gros naze et moi, tu sais quoi ? Je suis bien meilleur que toi, j'ai les meilleurs Pokémon. Les meilleurs, les plus forts de tous, je suis invincible ! Foil, je vais te briser. Lecture les yeux bandés, c'est fort, il devra acheter les livres en braille. Oh ouais. Avec Castux. Ouf, ça va être le défi là. C'est Psyglace ça, non? Ténèbres glace. Ah, Ténèbres glace. Voilà, c'est bon, force, ça passe. Hein. Un livre audio. Oui, un livre audio, attention, un livre audio. Lu par Sarko. Hein. Le Sarko a fait la lecture pour Audible. C'est plus de la lecture dans ce cas. Et, ouais, après, c'est plus de la lecture. Magnéton, bien sûr. On va mettre saucisseau. Quoi. Saucisseau, je compte sur toi. Ne me déçois pas, Saucisseau.
Point karaté, au moins on est sûr qu'il place. C'est pas MV qui avait eu le temps d'être un pote aussi, Evan. Exactement, si c'est MV qui l'avait fait. En fait, il avait fait deux trucs. Il avait fait je lis le temps des tempêtes sans le son. Donc il n'y avait pas le son, mais il lisait le temps des tempêtes. Donc on n'entendait rien. Enfin, sans micro, il avait coupé le micro, on n'entendait pas. Et après, il avait réactivé le micro. Saucisso is in the house! Putain! Saucisso est dans la place! Saucisso qui écrit sa légende. Oh là là, incroyable ce Saucisso. Saucisso le magnifique. Je dis Saucisso le magnifique. Vraiment. Cruel, mais ça fait quoi cruel? Ça fait rien cruel. Ah, Saucisso! Saucisso l'incroyable. L'incroyable Saucisso. Allez, Méganium! Allez, Méganium! On va se le faire. Pipi! Allez, Méganium! Adieu, Méganium! Allez, salut! Je l'ai! Wouh! Wouh! Allez! Allez, petite force, histoire de le terminer en beauté. Allez. Beauté sticule. Bam. Dans sa gueule. Parfait. Spectrum, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Quoi? Allô, Castux. Oui, une grosse merde. Mais ça, vous savez, Castux. On le savait. Allô, à quoi tu passes sous le tunnel? Allô, regarde plus. Oh. Bon alors, Castux. Bon alors, une grosse merde. On est une grosse merde. Et voilà! Oh là 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 là! Saucisso qui rentre dans la légende! Mais officiel! C'est officiel! C'est officiel! Il rentre dans le Panthéon! Il rentre dans le Panthéon, Saucisso! Rien à dire! J'étais GG. Je peux dire que tu étais là! Je pouvais pas gagner, je me suis donné à fond! Tu as quelque chose que je n'aurais jamais! Ouais, du talent, connard! Je commence à comprendre ce que voulait dire le type au dragon. Ça donne faim par contre. Les saucisses, là, voilà. J'ai faim de saucisses. Ne pas sortir de son contexte. Et bonsoir, bisous. Et voilà, Castux, je n'ai pas oublié mon rêve de devenir le plus grand des nuls. Je vais vite apprendre ce qui me manque pour m'améliorer. Et alors, c'est ta fête. Tu vas ramasser tes dents avec tes doigts cassés. Alors, à bientôt, minable. Il y a 30 minutes, tu le traitais plus bas que terre, ton saucisseau. C'est pas vrai ça. Ah, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Oui, j'avoue, je le traitais plus bactère. Mais ça va. Ça va, mais il a voilà, c'était pour le motiver. Tu vois, c'est une technique de motivation. Quand t'es gosse, on te traite aussi plus bactère, on te met plus bactère, on te traite de grosse merde. Mais au final, ça t'a forgé. Et ben là, tu vois, là, ça l'a forgé. Ça a forgé Saucisso, pas vrai monsieur? Ah, tu défies le conseil des 4. Tu es sûr d'être prêt? Si tu veux encore t'entraîner, mon bras peut t'aider. Il peut te téléporter chez toi. Veux-tu retourner chez toi? Non. Ok, alors bon courage. C'était pour le stimuler, exactement. La simulation, avec ça devrait. Après, oui, non, je veux pas passer encore l'escalier. On va regarder la team. Quelle team va rentrer dans le Panthéon?
Déjà, on va stocker. On va stocker September. S'en bat les couilles. On va stocker Fionnette. Fionnette qui nous sert à rien. On va garder Jacques Mich. On va regarder. J'ai envie de le garder René Foin, même s'il va pas nous servir. J'ai l'œil qui me gratte. On va prendre un peu mieux fait. J'ai envie de prendre l'X-Pay. Ça peut être pas mal, feu. Ça peut être pas mal, un Pokémon feu. Je veux terminer cette putain de ligue avec un Elbapto. Je veux terminer cette putain de ligue avec Elbapto. Je veux un Elbapto. On va stocker René Foin. Je veux un putain de Elbapto dans notre équipe. Je veux Elbapto dans l'équipe. Voilà. Je veux un putain de Elbapto avec nous. Bon, au nom de la légende, Jacques Mich et Elbapto dans l'équipe. Bon là c'est Elbap 3, mais je veux un putain de Elbapto. Je veux finir ce putain de Nuzlocke avec un Elbapto. C'est là accessoirement on termine le Nuzlocke. Après on va faire le post-game bien évidemment. Mais là on termine l'histoire, on termine le Nuzlocke. Mais avec un Elbapto. Alors déjà on va vendre des trucs qui nous servent à, rien. Déjà bon déjà la pépite. Déjà la pépite voilà. Ça nous fait de la moula. Un rappel max. Bah oui on est dans un Nuzlocke mec. Je vais acheter des. Des total soins G. Je vais quand même en acheter. On va prendre des potions max. Des guérisons. La pression. Aïe aïe aïe. Nous y sommes. C'est un moment historique. C'est un grand moment du Nuzlocke. C'est la fin. La ligue Pokémon. Pour l'honneur. Je vais mettre les sprites. Allez, on va mettre les sprites. Donc on a un peu mieux fait. On t'enlève, toi. On va mettre du coup. Alors. On va rajouter du coup le sprite. Bon, le sprite qui sera pas tout à fait officiel de Jacques Mich. Quoique, peut-être. Peut-être que je l'avais déjà téléchargé. Eh ben, pas du tout. Mais c'est pas grave.
Nous avons Saucisseau, nous avons Jacques Mich, nous avons Peu Mieux Fait. Nous avons, ah oui, le Elbap 3, bien évidemment. Le Elbap 3. Qui sert strictement à rien en forme de ratata, mais qui est juste là pour la rigolade. Le Elbapto, bien évidemment. Le Elbapto pour l'honneur. Et le dernier que je n'ai pas. Donc du coup, je vais profiter. On va mettre... on va mettre le... Quoi ? Comment ça ? Ah, je veux dire quoi ? Je peux pas accéder au site. On va mettre le Léviator en rouge. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis en train de télécharger les sprites. Les sprites qui manquent. Il me manquait des sprites, je les ai pas mis à jour. Voilà, alors là. Voilà. On va aller sur. Le Jacques Mich, on va mettre le Jacques Mich. Le Jacques Mich, mais la vraie couleur. La vraie couleur du Jacques Mich. Parce que là, ça rigole plus. C'est un moment solennel. Nous sommes face à un moment solennel. Nous sommes face à la Ligue Pokémon. Qui dit la Ligue Pokémon dit bien évidemment les sprites. Et qui dit sprites dit, autant les rendre... leur rendre vraiment hommage comme il se doit. Donc déjà c'est bien, c'est que le site il se charge assez rapidement, ça c'est cool. Mais il y en a tellement de sprites avec les shiny tout ça. Ah le voilà, le shiny qui nous intéresse. Hop là, voilà. Et voilà, attention. Tac. Et voilà. Donc là, on l'a en rouge. Et le dernier. Mon préféré. C'est pas le rondelet, non. C'est... L'XP. Le OO. Qui va bien. Voilà. Le légendaire parmi les légendes. Magnifique. Magnifique. Magnifique moment. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous appréciez ce moment. Avec les sprites. Nous y sommes. Donc c'est glace. Type glace. Ah putain le bâtard. On va tenter quelque chose. Ça va être chaud, mais... ensuite, je veux mettre en objet, on va mettre le Croc Dragon, on va le donner à Jacques Mich. La moula. La moula, on va la donner à Elbap 3.
Ça va tellement bien avec le personnage. Je pourrais mettre l'XP en premier. Je pourrais mettre OO. Le problème, c'est les attaques de type glace, c'est fatal que ce soit type vol. Et OO est un type vol. Bienvenue à la ligue Pokémon Foils. Je me présente, mon nom est Clément. Je sais tout, j'ai tout vu. Mes Pokémon psy sont trop forts. Je croyais que c'était un type glace, putain, je me suis fait scam. Il va falloir switch. Je me suis fait scammer la gueule. Bon bah c'est bien, je perds un tour en fait. Oh, le niveau. Le niveau est démentiel. Le niveau est démentiel. J'ai pris des dégâts pour rien là en fait. Là j'ai pris un psycho pour rien. Clairement j'ai pris un psycho pour rien. Je pensais vraiment que c'était un type glace en fait. Je me dis putain on attaque avec un type glace. Ben non. En vrai non. Noix de coco, parfait. Double faiblesse là. Des plantes psy, donc voilà, point de glace. Plus c'est un sac à PV en plus cette merde. Cette merde là c'est un gros sac à PV. Oh le coup critique, allez dans ta gueule. Voilà, voilà, allez donne-nous de l'XP. Les poutous, donc plus c'est un glace, donc déjà on va... Glace psy. J'ai mauvais souvenir avec ce Xatu. Il fait mal, hein, Xatu. Hein. Il fait mal. Hein. Gros bisous. Chef, ça ne m'affecte pas. Vous savez que ce Xatu, il fait mal. Il fait mal de l'enfoiré. Lagados. Allez, on le flinch, c'est très bien. J'ai peur, hein, j'ai très peur. Hein. Clairement, mon équipe n'est pas du tout au niveau de la ligue. J'y suis allé, mais en mode YOLO. Voilà, le Xatu. Voilà, bah, tiens, voilà, deuxième Xatu, là. Deuxième Xatu de mort, là. Si on le flinch, c'est parfait. C'est flinch, voilà. Putain, nickel. Il est très très rapide, c'est ça le problème. Faut pas leur laisser l'avantage. Si le combat s'éternise, ça devient compliqué. C'est pour ça. C'est incroyable. Connard. J'ai peut-être perdu comme un criquet, mais je continuerai à combattre tant que je ne serai pas plus grand. Wiles, continue ta route et découvre la force du Conseil des Quatre. Je vais mettre une petite potion. On n'a pas une petite potion là? Je vais changer de lead. Je vais mettre Caille le Pénus. Voilà, c'est comme ça au moins. Parce que là, tu as 30. 35, 30, 32, 40. C'est du suicide. Franchement, c'est le suicide squad là. C'est Koga poison.
Wouhaha, moi c'est Koga du Conseil des 4. Je suis un ninja, comme à la télé, un ninja de Chine. Je saute, je lance des shurikens, je cours sur la muraille de Chine, je suis trop fort. Mais c'est pas tout. Tu vas voir ce que c'est que la technique de maître. Fouahaha! La force, c'est bien, mais le poison, le sommeil, la folie, c'est terrible! Koga. C'est poison, et lui, ouais, il va jouer avec les problèmes de type. Normalement, si je fais un point de glace, ça devrait aller. Non, je le gèle. Ah, le bâtard, je l'ai pas gelé. Oh, le bâtard. Ça, ça fait super mal, ça. Bâtard. Bastardo. Donc là, on est sur des insectes. Hein. Putain, il me faut ma table des types, hein, c'est un truc de fou. Hein. Il me faut ma table des types. Hein. Et bon là je vais jouer avec mon Pokémon le plus fort. Croisons les doigts que je sois pas empoisonné, je crois que c'est 40% de chance de me poisonner. Ah le bâtard c'est. Non c'est même plus. Non c'est 90 je crois, non? Parce que c'est une attaque qui est vraiment casse les couilles. Hein. Qui change juste le statut en fait, je crois. Je confonds. Forêtresse. Forêtresse, il est quoi lui? Forêtresse, ça me parle. Insectacier, ça on va lui faire morsure. Abri, putain de bâtard. Faut faire gaffe au poison, bien sûr. Ah, c'est insecte, ouais, c'est ça. D'utiliser une guérison. J'aimerais envoyer Saucisso, mais Saucisso va se faire défoncer la gueule. On va tenter le move. Sinon, j'ai l'XP. Ah, il envoie les picots! Oh, le bâtard! Dynamo point Saucisso, il l'a fait. Allez la confusion, nickel. Saucisso est dans la place. Saucisso. Saucisso, non!
saucisson sacrifié pour le... Oh non ! Saucisson sacrifié pour le bien du Nuzlocke ! Saucisson s'est sacrifié, il a donné sa vie ! Il a donné sa vie, littéralement ! Je croyais avoir vu le pire, mais je vais tomber sur quelque chose que je n'ai jamais putain, vu de ma vie. Putain, Saucisson ! Saucisson a donné sa vie, Saucisson s'est sacrifié ! Saucisson ! Oh putain, le gros tas de merde. Oh, le gros tas de merde. Oh, que ça va être chiant. Saucisson, le martyr. Il s'est sacrifié, littéralement. Il s'est interposé, il s'est mis comme ça. Il s'est mis comme ça devant les, devant l'explosion derrière toute l'équipe. Là, il nous regardait comme ça, Saucisson, en disant allez-y. Je le retiens. Saucisson, ton sacrifice ne sera pas vain, je te le promets, Saucisson. Saucisson ! Bomber, quel bâtard. Ah, le bâtard ! Allez, la morsure, là, pour le terminer, là. Putain, Saucisson ! Ah ! Non, son pauvre Saucisson. Il aurait tellement pu se régaler sur Nost Enfer. À quoi que Nost Enfer, il est juste assis. Oh, le sprite de Nost Enfer, quoi. Reflet, hein, ouais, d'accord. Le sprite dégueulasse de Nost Enfer, quoi, est juste extraordinaire. Extraordinairement dégueulasse. Là, je sens bien l'arnaque. Clac, guérison. Parce que je sens l'arnaque arriver. Bon, ça, c'est cruel, donc ça va. Mais au moins, voilà, au moins, il n'y a pas de cassage de couilles. Oh là 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 là. Incroyable sacrifice de Saucisson. Saucisson souillé. Ah putain, guérison, oui, bah d'accord. Quand je disais que je sentais l'arnaque arriver. Vas-y, nique sa mère. Je refais le sprite de Nost Enfer. Regardez. C'est ressemblant, hein. On dirait le sprite de Nost Enfer, hein. S'y méprendre, hein. Vraiment. C'était à s'y méprendre, hein, la ressemblance, hein. Elle est très fidèle, hein. Bon, cruel, hein. Il sait faire que ça, lui. Cruel. C'est cruel. Son destin est cruel. Et voilà. Ça, c'est parce que tu as tué Saucisson, connard. Ah, tu es un adversaire honorable. Je n'ai pas tué Saucisson. J'ai combattu toutes mes forces, mais y a pas moyen, je ne suis pas assez fort. Puis tu avais Saucisson dans ton équipe. Va dans la prochaine salle. Bonne chance. Là. Aïe, 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 aïe,
y a les picots. Je me pique. Ben antidote. Recueille le pénus. On va lui donner une petite limonade. Quand même, j'ai envie qu'on ait une pensée émue pour notre cher Saucisso qui s'est sacrifié pour le bien du let's play. Pour le bien du Nuzlocke, Saucisso, cet hommage est pour toi. Mes amis, recueillons-nous un instant devant la dépouille de notre cher Saucisso. Saucisso qui, lors de cette explosion, n'a malheureusement pas survécu. Mais grâce à lui, il a pu tenir en échec le forêtresse qui, malheureusement, lui a été fatal. Pour Saucisso, s'il vous plaît, je demande une minute de silence en sa mémoire. Notre Saucisso, bien-aimé, tu nous manqueras. Même si t'as été une grosse merde par moment, mais tu nous auras bien servi. Au nom de la commu chevelue, nous te remercions. Saucisso martyrisé, Saucisso frappé, Saucisso sacrifié, mais Saucisso... Merci pour le chef. Attends, je vais te le mettre. Saucisso, le parti. Je vous remercie. Dante n'a décidément pas de cœur de balancer un chais pendant l'hommage à Saucisso. C'est honteux. Tu es honteux, Dante, tu es honteux. Aldo, je suis Aldo du Conseil des 4. Mon truc à moi, c'est de m'entraîner comme un méga dingue. Et c'est comme ça que je suis devenu si fort et beau. Oh, tu m'écoutes ? T'as pas peur ou quoi ? Très bien. Bah, comme on peut pas discuter, on va se battre. Prêt, Foils, tu vas... Quoi ? Tu veux que j'arrête de parler ? Combat ! Ça, c'est bien connu. Bah oui, c'est bien connu. On va pas m'inviter aux enterrements. Oh, le salaud. Oh. Albéter. Alors là, nous avons des types combat. Alors... Excusez-moi, je reprends ma table des types. Je ne me loupe pas. Je ne fasse pas de la merde. J'ai envie de tenter de le glacer. On va voir si on peut le glacer. Il creuse un trou. Ok, d'accord. Allez, XP. Alors, comme ça, on essaie de creuser un tunnel. On essaie le tunnel. Eh ouais, ma gueule, eh ouais. Onyx, ah bah oui. Bah je veux mon neveu. Allez, caille le pénus. Onyx.
Ça aurait été pas mal contre l'X-Pay, mais Allez, salut ma couille. Bisous ma couille. Pam 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 pa-da-da-da-da. Allez, Taignon, allez, l'X-Pay. Pam 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 pam. Et tornade. Et le petit coup critique là, le petit coup critique bien placé. Oh, le petit coup critique là. Il a pas aimé. Oh, il a pas aimé. Oh, il a pas aimé le petit coup critique là. Oula, le Macogneur. Je sens pas le Macogneur. Je sens moyen. Niveau 46 en plus. Bâtard. Bâtard ! Putain ! Mais bâtard ! Je le savais qu'il allait me... Putain, me faire une merde ! Et bonsoir, Koba. J'arrive pile au mauvais moment, pardon. Putain! Quelle ambiance, dis donc, pardon. T'arrives pile au mauvais moment. Pardon, je suis désolé, t'es arrivé au mauvais moment. C'est pas grave, t'inquiète. Il y a un bon moment pour arriver ici. Ouais, il y a... ouais, non, c'est vrai que j'avoue, c'est tellement salé ici que c'est vrai qu'on se demande quel est le bon moment pour arriver en fait. Il y a tellement de sel. Il y a tellement de sel ici. On se demande quand est-ce que. Tu peux avoir plusieurs bras, hein, hein. Regardez, moi je suis ma cognère, hein. Je suis aussi musclé que Dante, hein. Ben voilà, ben tiens dans ta gueule. Voilà. T'apprendras à être torse-poil. Va faire la vaisselle avec tes 50 bras, là. Pardon. Oh là 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 là. Putain, je suis dans la merde. Tu sais, je me suis dit que c'était le bon moment pour venir faire la première visite de ton stream, mais je crois que j'aurais dû venir voir un autre jeu. Non, mais t'inquiète, hein. Bah, tu arrives au bon moment. Oui, on va dire que tu arrives au bon moment. C'est un moment quand même qui est moins salé. Si jamais tu serais arrivé, bah, admettons, si jamais tu comptais arriver, en fait, tu voulais arriver demain. Demain, ça aurait été un peu plus compliqué parce que demain, c'est. Ça passe. Demain c'est Elden Ring. Et disons que Elden Ring c'est extrêmement salé. mais bon, c'est tout le temps salé, hein. C'est tout le temps salé de toute façon. Mais non, c'est le bon moment, t'inquiète. C'est le bon moment. En plus, c'est vraiment la on est sur la fin du Nuzlocke accessoirement, puisqu'on est sur la ligue. Donc là on est à la fin de l'histoire. Parce qu'après il y a le post-game bien sûr qui arrivera normalement si on arrive à battre la ligue. Je dis bien si on y arrive. Mal barré. Mais on va y arriver. Et après voilà, après on aura le post-game. Mais donc tu arrives pile au bon moment quoi, sur la fin de ce Nuzlocke. Moi, perdre, pourquoi? Pourquoi tu... T'as tué mon Pokémon préféré, connard! Mais qui est con, lui? Oh, bonjour, je suis venu aujourd'hui. Oh, t'as bien fait de venir aujourd'hui. Moi, je vais me taire, va dans la prochaine salle. Oui, tais-toi, Aldo. Bon, tu vas saouler la gueule, là, connard. Pardon. Je vois cette séquence gravée dans mon cœur. J'avoue,
Tiens, tu débarques sur le live. Bonjour. Ah putain de merde, je vais chier là. Oh, chier à la gueule. J'avoue, pardon. Vraiment, c'était... Ouais, non, là, vraiment, tu arrives et tu subis ça... C'est honteux. Pardon. Vraiment, pardon. Mais au moins, voilà, au moins, tu découvres... Bah, tu découvres la chaîne, hein. Tu découvres la chaîne telle qu'elle est, hein. Elle est over saltish. Et je suis dans une merde avec cette team de cul. C'est un peu comme si tu débarquais en plein milieu d'un spectacle de Bigard. C'est un petit peu ça. Je suis dans la merde, putain! Pourquoi j'ai décidé de faire la ligue maintenant? Pourquoi j'ai pas fait XP mon équipe? Pourquoi je suis allé m'habiter mon couteau? Pourquoi, putain? Je suis Marion du Conseil des 4. C'est toi, Fouals, c'est marrant. Moi, j'aime les Pokémon des ténèbres. Leur look noir est méchant et trop cool. Et ils sont forts aussi. Soit pour aller battre, allez, essayer pour voir. C'est parti. Oh là 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 là. C'est un saucisseau quoi, si saucisseau il serait pas pris une explosion dans la gueule là. J'y tiens gold, ça me rappelle ma jeunesse effectivement, espèce d'un cul de merde. Ah ben voilà hein. Ouais, et normalement, viens après le moment où tu prends ta Game Boy et tu l'as mort. Enfin moi c'est ce qui se passait. Moi mes Game Boy ils avaient des traces de morsure, on sait pas pourquoi. Hein. On va pas se demander pourquoi mais Ah putain, en plus j'ai pas de truc pour les pépés. Ah je vais me pépé stall en plus. Ah mais je vais me pépé stall en plus. Oh non putain, mais je suis vraiment allé mais comme un zgeg. Ah oui, je suis allé comme une grosse merde. Ah je suis allé vraiment comme une grosse merde. Ah mais je suis allé comme une grosse merde en fait hein. Ah bah c'est génial. Ah bah bravo Nils. Bravo, le moment le plus important sur Game Boy c'est quand tu as le petit truc allumé, tu te gardes 100 fois. C'est ça. Mais bon ouais, le BAF 3 tu vas temporiser. J'ai l'impression que tu sabotes pas mal la fin de tes Nuzlocke. Le dernier je l'ai pas saboté hein. Le dernier non, on l'avait fait de manière normale hein. Mais là je l'ai fait vraiment de la... J'ai fait merdique hein. Je l'ai fait de manière vraiment merdique là. Là j'étais. Mais j'étais une merde, j'étais une grosse merde. Là je l'ai fait de manière très merdique. Là je me mets en mode. Je roule dans pas longtemps. Yes, ça marche, Cobra. A tout. Bon, j'avoue, là, j'ai été, mais alors, mais minable. Minable, je me laisse aussi emporter par le... Par la hype. Insulte pas leur grand mort, le temps que j'arrive, je veux voir ça. Bon, t'inquiète, hein. T'inquiète. T'inquiète pas. Y a du sel, hein. Y a la réserve. T'inquiète. T'inquiète, la réserve de sel, elle est là. Raflesia, parfait. Non, mais je fais de la merde. Hein. J'ai fait de la merde. Je me pépestole. Hein. Je suis très fort, hein. Je me pépestole. Je prends des potions, je prends tout ce qu'il faut, mais je prends pas les trucs pour... Je prends pas des régènes PP en fait.
l'ectoplasma là. Là lui, il faut absolument lui niquer sa mère. Je compte sur la différence de niveau en fait. Je compte clairement sur cette différence de niveau. Pour passer. Oh putain, mais Kyle Penus, pourquoi ? Putain, t'as presque plus de pépé sur ton surf, la putain de ta mère, la pouette ! Ta mère, la pouette-pouette, le camion. Je peux pas switcher. Oh là 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 là, mais quel Mongol Fouals, mais quel Mongol Fouals! Ah c'est bon, démolo, c'est bon, on l'a niqué. Allez, c'est bon. C'est bon. Allez Marion, rentre chez ta mère. Peter, je le sens pas, hein, je le sens mal, je le sens très très mal, Peter, hein, je le sens très très mal. Hein. Mais c'est ma faute aussi, c'est clairement ma faute hein, d'y aller comme ça en mode YOLO. On en a perdu tellement de temps aussi avec beaucoup de couilles qui m'est arrivé que j'ai pas pu faire des nuzlocke le lundi, que j'ai pas pu faire des lives le lundi, que je me suis dit bon allez il faut qu'on rattrape le temps perdu quoi, il faut qu'on rattrape le temps perdu, donc c'est pour ça que je me suis mis de en tête de rush et au final le rush ben, ça fait ça. Je réfléchis pas, je fais de la merde. Pokémon puissant, Pokémon faible. Cette vision est faite pour les simples d'esprit. Les bons dresseurs gagnent avec leur Pokémon favori. J'aime ton style, tu es un bon dresseur. Allez va, le maître t'attend. Wow ! La porte. J'ai pas de PP, mes couilles, hein. J'ai pas de PP, mes couilles dans le vinaigre. Jacques Mich niveau 30, il fera rien. Il va se faire défoncer l'anus. Effet du repousse terminé. Ah ben merci. Je t'attendais. Wals, je savais que grâce à ton talent, tu n'aurais aucun mal à venir jusqu'à moi. Bon, on finit la parlotte. Maintenant, on va se battre. Hein. On verra qui est le plus fort de nous deux. En tant que meilleur dresseur, maître de la ligue Pokémon, moi, Peter, l'expert en dragon, j'accepte de t'affronter. J'ai les mains en sueur. C'est la fin du Nuzlocke. Enfin, c'est la fin de cette team, clairement. C'est la fin de cette équipe. Faut mieux faire. C'est la fin, putain. C'est la fin, quoi. C'est la fin des fins, c'est planta fin, quoi. Ah, mais c'est vrai que ce Mongol, il a pas d'attaque électrique. Putain, c'est vrai que j'ai le Voltorb, l'électrode, le meilleur au monde. Le meilleur Pokémon au monde, allez, peut mieux faire, vas-y, dégage. Ça sert à rien. Là, bah ouais, il tape là. Je m'étonne qu'il tape là. Force.
J'ai les mains en sueur, c'est horrible. C'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Ah, mais c'est de la grosse merde, hein. C'est de la grosse merde, je suis d'accord. Le premier Dracolos. Dracolos, il est quoi? C'est dragon tout court. Dragon vol. Si dragon vol, je peux essayer de le niquer avec le point de glace. Dragon vol. Je vais le niquer avec le point de glace. Voilà. Là, alors là. Mais il a combien de Dracolos? Mais il en a combien, ce con là? Là, concentré à fond. Là, alors là, vous avez connu Dark Ceci. Là, maintenant, vous allez connaître Dark Walls. Là, le Dark Walls, il est pas là pour briser des lentilles avec ses fesses. Le Dark Walls. Je me sens bizarre. Je suis pas fâché, mais plutôt heureux. Voilà, heureux d'être le témoin de la naissance d'un nouveau maître, le Dark Walls. Et surtout, je vous réserve le meilleur. Je vous réserve le meilleur pour ce qui va arriver. Oui, tu es devenu très puissant, Walls. Tes Pokémon ont grandi en même temps que ma bite, que toi, pardon. Et tu continueras à progresser en même temps que tes Pokémon. Oh non, c'est fini, prof Chen, vous êtes trop lent, néné. Ah, Walls, ça fait longtemps que tu as tant grandi. Ta conquête de la Ligue est un tel exploit. J'avoue, putain, j'avoue que... avec la team qu'on a, c'est un putain d'exploit. Ton dévouement, ta confiance et ton amour pour tes Pokémon sont à l'origine de ton triomphe. Tes Pokémon ont été aussi formidables. Ils t'ont fait confiance en tant que dresseur très dévoué. Encore bravo, Walls. Faisons une interview du nouveau maître. Tout ça va devenir un peu trop bruyant. Walls, tu es avec moi? Allez, on se casse. Hé, attendez, on n'a pas encore fait l'interview!
Je suis pas venu depuis longtemps. C'est ici que l'on récompense les maîtres de la ligue pour toujours. Leurs courageux Pokémon y sont aussi félicités. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins de la naissance d'un grand maître qui aime et fait confiance en ses chers Pokémon. Un dresseur qui a pu réussir à grands coups de détermination. Ah putain, ça, je suis dit pour déterminer, j'étais déterminé, je te le dis. Le nouveau maître de la ligue rayonnant de talent. On n'en est pas là non plus. Walsh, je vais t'inscrire, toi et tes compagnons, en tant que maître. Attention! Incroyable! Qu'a eu le Pénus qui a été vraiment le MVP. Peu mieux faire qui a été une grosse merde. C'est vraiment la grosse merde. La grosse merde en tout point. Jacques Mich qui a pas servi. Mais tant mieux, au moins on l'a préservé. Mais il a terminé dans la légende. Le Elbopto! Le Elbopto! Le Elbopto! Qui a fait quelque chose quand même. Franchement, putain, le X-Pay, dommage qui malheureusement ne rentrera pas dans la légende. Et la légende Saucisso qui s'est sacrifié. La légende Saucisso. Le martyr Saucisso. Incroyable. Et on a fini. On a fini la ligue avec un putain de Elbapto. Qui a fait quelque chose. Il a temporisé. Il s'est pris une attaque. Il est pas mort. C'était une attaque de merde. Mais il a temporisé. Le Elbapto qui a temporisé. Et le Jacques Mich qui était là. Bon, YOLO, hein, moi je suis juste là pour la ligue. Tu deviens bon, mais il te reste beaucoup de choses à découvrir. Non mais mec, on est dans un Nuzlocke. On est dans un Nuzlocke, prof Chen. Oh là là, incroyable. Ce Nuzlocke. Ce Nuzlocke aura été épique. Il aura été épique en sachant qu'on l'a quand même. On l'a quand même refait. On a perdu. Et on est reparti à zéro. Quand même. La deuxième fois, on a réussi, bordel. On a réussi. Putain, c'était pas gagné. Hein. Cette ligue était pas gagnée. Hein. Franchement, je suis parti, mais je me suis foutu des malus de malade. Des malus de fou furieux. Avec ces niveaux, je savais que j'allais au-devant. Un gros défi. Mais il faut croire en soi. Même si, même dans la victoire comme dans la défaite, je pensais très sincèrement me perdre. Vraiment, pour moi, c'était perdu. Pour moi, clairement, le Nuzlocke était perdu. Je me suis dit, c'est bon, Peter, je vais perdre. Je vais le perdre. Je vais le perdre. Eh ben non. T'as fini tôt au Golden Ring. Là, on va commencer le post-game. On a le post-game maintenant à faire. Et non, là, Elden Ring, on le réserve pour demain. Demain, ce sera du bon gros sel d'En Ring, du bon gros sel là. Le bon gros sel là qui va arriver bien comme il faut. Mais là, franchement, sur Peter, je le sentais pas. Je le sentais pas. Je me suis dit, les Dracolos, je me rappelais plus qu'il en avait 3. Je me suis dit, il a 2 Dracolos, je vais en chier ma race. Et heureusement, bordel, heureusement que j'ai point glace et heureusement que j'avais encore des PP. Parce que ça, j'avais complètement zappé les PP. J'avais complètement zappé cette partie-là. Donc je me serais pépé stall en fait. Et heureusement, putain, heureusement. Heureusement que j'en avais encore. Oh là 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 là. Et puis à la fin, ça a été donné quoi. Le Dracaufeu, le Ptera. C'est cadeau. C'était cadeau. C'était cadeau. Franchement, c'était cadeau. Le 16, c'était le cadeau de la maison. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable Nuzlocke. Incroyable. Incroyable. La team de fou. On peut mieux faire. Qui passe. Merde. Qui passe ici, hein. Ah non, je reviens trop tard, mais GG, tu arrives juste à la fin de la ligue. On vient de terminer. On vient de terminer.
Ça a été intense, ça a été épique, hein. Ça a été épique, je suis désolé que tu aies raté ça. Au pire, il y aura la VOD, hein. Au pire, tu auras la VOD. Mais tu as raté quelque chose, hein. Tu as raté quelque chose, la fin était pas mal. Du coup, bah, l'XPay, ça va nous servir en 16 live. Voilà, l'XPay, allez l'XPay. L'XPay qui est mort, malheureusement. Voilà, on a perdu l'XP, peu mieux fait, et saucisseau dans l'exercice de la ligue. Oh là là, incroyable. Bon, l'XP, je suis désolé, putain. Ouais, on va à la place de Rune Protect, hein, voilà. Oh là là, ça va être le CS Live, là, juste le temps d'aller le mettre dans le PC. Ah, j'ai eu peur, j'ai dit, hein. Allô, ah merde. Allô, Fouas. J'ai quelque chose ici pour toi. Peux-tu passer à mon labo? A plus. Enfin, on est juste à côté, hein, prof Orm. On va sauvegarder parce que là, le petit freeze, là, il m'a fait peur. Il m'a fait un petit peu peur, là. 37 heures de jeu, merde. Ça fait beaucoup, là. Oui, prof. Je t'ai appelé car j'ai du nouveau pour toi, hein. Tu vois, c'est un passe-bateau. Maintenant, tu peux attraper les Pokémon à Kanto. Ah, maintenant, tu peux attraper les Pokémon à Kanto. Ah, merci. Le bateau part de Holyville. Mais ça, tu le savais déjà, Foils. Après tout, tu as baroudé un peu partout avec tes Pokémon. Fais mes amitiés aux prochaines à Kanto. Ah, mais c'est eux qu'on arrive à Carmin-sur-Mer. Allez, l'XPay. On va aller à Holyville. On va poser nos Pokémon. On finit le jeu, on a fini la game avec. Adieu l'XPay. Bon, on peut mieux faire, on s'en bat les couilles de toi. Toi, tu étais nul. Saucisson. Et on finit la game avec 10 morts. Ça fait quand même beaucoup, hein. C'est quand même. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait un peu quand même, hein. 10 morts, ça fait quand même, hein. Alors, on va retirer super promo. on va retirer Solid Snake. Et qui on peut retirer On va retirer Fionnette. Notre CS Slave. Et on va retirer. Ah merde. On peut pas. Ah mais on va stocker le BAP 3 parce qu'on s'en bat les couilles. Ah non, on s'en bat les couilles. Et on va retirer. René Foin. Parce que René Foin. Voilà pour les Pokémon. Parce que je pense qu'on va avoir des combats sur l'océan. Bim, 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 bim. Putain, on va en chier ce Pokémon électrique là, on va en chier un petit peu là. La 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 ta la la ta la la ta 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 ta. Bienvenue au bateau express, l'Aquaria. Allez-vous monter à bord? Oui. Parfait, merci monsieur.
Le départ est proche, tout le monde à bord. Oula ! Ouah ! Désolé, je suis pressé. Ma petite fille a disparu. Elle est si jeune, si tu la vois, viens vite me prévenir. Oh, la garce ! Voici votre cabine. Si vos Pokémon sont blessés, dormez et ils seront tous soignés. Pam pam pam. Alors, la petite. Ah ! Eh mec ! Je vais chercher mon pote pour moi. Il se balade dans le coin, toujours à rien faire. J'aimerais le trouver, mais moi j'ai du taf. Oh, ça va, il faut que je cherche la petite. Il faut que je cherche ça, ça va. Il n'y a pas marqué la poste ici. Hein. Tous les passagers sont dresseurs, ils veulent tous se battre dans leur cabine. Oh, ils sont casse-couilles. Hein. Bonjour petit, je ne trouve pas ma petite fille. Je suis inquiet, essayez de tomber par-dessus bord, mais c'est pas grave. Elle était juste en train de jouer quelque part si ça se trouve. Ici c'est écrit la poste. Salut Uda. Non, il n'y a pas le marin. On rush. J'ai pas envie de faire tous les combats là. C'est chiant de faire tous les combats. On veut aller à l'essentiel. Alors, il est où le colis là? Toi, Wep, moi je suis un marin, un vrai de vrai, pur bœuf. Je suis grand, je suis beau, je sens le sable chaud. Oh, tu m'écoutes, combat! Alors, il est où le colis? Ah, dommage que j'ai pas mis la soundbox. Sinon, je t'aurais bien volontiers répondu avec le Stream Deck. Mais je préfère m'abstenir. Et quelque part, après la pierre au fond à droite. Est-ce que ça te va comme réponse? J'ai l'air au sort dans ton cul des plus cordiales. Bah voilà, voilà. Voilà, voilà. Mais je l'ai pas mis sur le Stream Deck. Je vais le mettre d'ailleurs, tu me fais penser. Putain, sans déconner, il va nous sortir des mashoppers là. Non, je reste avec Kyle le Pénus là. Moi, le Zvati change de Pokémon. Bien sûr que non, c'est un psycho. Quoi, qu'est-ce que c'est un psy, ça? Ah non, c'est un type psy, hein. À moins qu'il soit que haut dans cette génération-là. Comment, de quoi? Bah, tu retournes bosser. Génial, ça. Dans la marine, on n'est pas des petites filles. Dans la marine. Ah bah, allez. Allez, casse-toi, connard. Oh, mais là, il n'y a que des dresseurs, là. Bon, après cette aventure... Après cette ligue Pokémon des plus... difficile. Enfin, c'est pas compliqué en soi, hein, la ligue, hein, mais... Ah, elle doit être là. Mais elle embête le capitaine! Hé, hey, capitaine, tu joues avec moi? Vas-y, s'il te plaît, vas-y, monsieur. Et tu joues avec moi? Allez. Oh, Pépé s'inquiète pour moi, je dois y aller. Je dois trouver mon Pépé, allez, casse-toi. Me voilà, Pépé, je joue avec le capitaine et ce garçon. Walson, on m'a dit que tu t'étais occupé de ma petite fille. Je tiens à t'en remercier, je tiens à ce que tu acceptes ceci. Ah, la peau métal! Cool.
Le bateau express Aquaria est arrivé à Carmen-sur-Mer. Voyageons autour du monde. Ah bah c'est bien. Super, la peau métal. C'est la peau métal, l'objet qui va absolument pas nous servir. Le bateau express Aquaria est arrivé à Carmen-sur-Mer. Allez, on se casse. Oh, c'est le Pokémon de zone. Ouais, c'est le Pokémon de zone de Carmen-sur-Mer. S'en bat les couilles, c'est bon, on est en tentacool, j'en ai 50 là. Tu viens de Johto, on dit qu'il y a plein de Pokémon rares là-bas. C'est drôle, c'est, on dit pareil pour Kanto. Incroyable. Je pensais qu'elle allait avoir le camion, en fait pas du tout. Oh, je suis déçu. Bonjour, le bateau express vogue le mercredi et le dimanche. Ah. La 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 la. Ah, incroyable, ça y est, nous sommes enfin arrivés à Kanto. Nous allons pouvoir entamer le post-game. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool, ça, c'est cool, ça, c'est cool. Donc, on va pouvoir continuer nos aventures en Nuzlocke sur Pokémon Or. C'est vachement génial. Encore merci et à bientôt. Allez, hop là, on sauvegarde. Eh oui, il y a déjà une sauvegarde. Bien sûr qu'on la remplace. La la la. Et voilà. Bah voilà pour aujourd'hui. Hein. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour le Nuzlocke. Pour notre bon Nuzlocke. Enfin, le post-game est à nous. Enfin, on va pouvoir s'amuser comme des petits fifous. Et continuer du coup l'aventure malgré la ligue Pokémon qui a été retort de chez retort. Donc du coup, on va faire bien évidemment le post-game avec l'intégralité des badges. Et surtout, le défi ultime, on va aller affronter Red. C'est ça, ouais, Red. Ouais, c'est Red, c'est pas beaucoup, hein, Red. Que dire de plus, si ce n'est... Merci d'avoir, du coup, regardé ce live. Merci, bah, du coup, merci d'être arrivé quand même maintenant, même si vous êtes arrivé un petit peu tardivement. Merci d'avoir suivi cette ligue Pokémon qui a été difficile. Difficile de par mes conneries, parce que c'est clairement mes conneries, hein. faut pas se leurrer, c'est clairement mes conneries, mais bon, après, au final, on est là aussi pour voir ça, hein. On est là aussi pour assister à quelque chose d'un peu plus tendu, parce que si c'était pas tendu, bah ça serait pas drôle, et si c'est pas drôle, bah c'est pas intéressant. On se retrouve, nous, dès demain, ici même, pour du Elden Ring. Vous connaissez la chansonnette à 19h30. Ici même, on fera plein de sel. Et mercredi à 18h30, on partira sur Assassin's Creed 2. On continuera nos aventures de Hachishayun. Allez, on va aller raid Ceci qui est sur Batman. Et comme ça, elle va nous annoncer sa grande annonce. Espérons-le qu'elle nous annonce sa grande annonce. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futurs contenus. Vous connaissez les bails. Vous avez aussi le Discord pour avoir toutes les infos concernant la chaîne et bien plus encore. On va aller chez Ceci, c'était False. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous. À demain pour du Elden Ring. Ciao, ciao, la bise.